qui va servir dans le centre de santé pour faire le dossier médical à la maison et qu'on utilise avec des tablettes pour pouvoir regarder ce qu'il y a dans l'ordinateur. Mais avant, je fais mon code. Vous allez voir sur mon, toutes mes photos de famille. Je m'appelle Pierre et tout ça. J'ai mis un code et un mot de passe. C'est ce que vous faites dans vos téléphones en général. Au téléphone, il y a un code, un mot de passe. Dans tous les systèmes, il y a toujours un code personnel, un mot de passe personnel. Et un code personnel et un mot de passe personnel, ça se donne à personne d'autre. Parce que la machine, elle sait qui vous êtes. Quand vous ferez les dossiers médicaux électroniques, c'est exactement pareil.